Les répercussions des dernières déclarations de Moscou et de la situation en Ukraine. Berlin suspend l'autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Annonce faite ce mardi par le chancelier allemand. Nous ne pouvons pas accepter la reconnaissance des provinces pro-russes. C'est pourquoi il est si important de réagir maintenant et rapidement, a dit Olaf Scholz. J'ai donc demandé au ministère de l'économie et à l'agence fédérale de certification du projet de suspendre leurs travaux de certification. Sans cette dernière, Nord Stream 2 ne peut donc toujours pas être mis en service. Tout juste achevé en novembre, le gazoduc est depuis le début du projet au cœur de batailles géopolitiques et économiques. Il était jusqu'ici en attente d'une certification par le régulateur de l'énergie en Allemagne en raison de problèmes juridiques, en l'occurrence le non-respect de certaines dispositions de la législation allemande et européenne. Le chancelier allemand a en outre prévenu que d'autres sanctions contre la Russie pourraient suivre en cas d'aggravation de la situation en Ukraine.